On a signé les SBTI avec un enjeu de réduire de 50% nos consommations énergétiques. L'intérêt pour ce type d'événement de pouvoir rencontrer, puisque on va avoir forcément des personnes qui vont être en lien avec les débats qu'on va avoir. Et donc ça nous permet de rentrer directement dans des cas concrets, dans des situations concrètes et créer des opportunités de networker, d'échanger avec des opérationnels qui vont nous apporter des réponses dans le futur face à nos enjeux. Pour Tereos, ces gros enjeux, c'est avant tout sa décarbonation. On a signé les SBTI avec un enjeu de réduire de 50% nos consommations énergétiques, y compris phase 3 à horizon 2030, et d'être neutre en carbone à horizon 2050. Ça veut dire que pour nous, gros enjeu sur la partie industrielle, sur comment réduire nos consommations énergétiques de manière très significative. Et au regard de la supply, trouver des alternatives qui vont nous permettre de décarboner notre supply. Je pense que les crises passées nous ont amené naturellement à gérer de plus en plus de transversalité, d'être de beaucoup plus en interaction avec tour à tour les sales, les ventes. Et donc aujourd'hui, cette transversalité est un vrai facteur de succès aussi pour aborder et apporter des réponses à ces enjeux.